Hi, I'm Nicolas Seniac. I had the chance to have Richard coming, bringing a Belgium team to compete in Savade recently at Eric Paulsen's gym in CSW down in Fullerton. And I'm here and I want to ask a few questions about his past, and so we have a chance to get him introduced to the American martial art world. Richard, présente-toi. Et je vais traduire pour tout le monde. Dis qui tu es, ce que tu as fait, et parle de tous tes combats et de ce que tu as fait dans ta carrière sportive. Ma carrière. Donc, je m'appelle Richard Silla. My name is Richard Silla. J'aurai 53 ans dans un mois. 53 years old next month. J'ai pratiqué la savate. Practice savate. Du full contact. Full contact. Boxe anglaise. Amateur et professionnel. Amateur et pro. J'étais dans la sélection pré-olympique en 84. It was in a French selection in 84, amateur boxing, French Olympique, team. Olympique game pour les Olympiques. Los Angeles. Ouais, Los Angeles en 84. For the LA Olympic Games in 84. J'ai fait du kickboxing. And kickboxing. Donc, je suis 10 fois champion de France de savate. 10 times French champion in Savate. 3 fois champion d'Europe. 3 times European champion. Une fois finaliste, c'est ma seule défaite en Savate. One time in the final and the defeat was due to injury. Tu veux montrer la blessure? Oui. Dislocated shoulder that ended and resulted in his only loss in Savate. Pour l'anglaise, j'ai fait 33 combats amateurs. 33 fights. 5 défaites. 5 losses. 4 combats professionnels. Une défaite. 4 pro boxing matches. And, et tout ce qui est full contact et kickboxing, j'ai une trentaine aussi de combats. Donc j'ai un match nul. 30 fights in kickboxing. 1 draw. Après j'ai le salto. J'ai que salto comme défaite. And one loss in kickboxing. En kickboxing. Après j'ai 2 titres européens en full. 2 European titles in full contact. Un titre européen en kickboxing, WK. One in the WK, European title as well. Et j'ai fait 5 championnats du monde de kickbox. Donc je les ai tous gagnés. 5 world title WK fights. Ouais. All one. Et donc j'ai pris la ceinture à l'élève de Benny. So he took the belt from Pete Cunningham, Benny's student. Voilà. Après je suis parti, j'ai travaillé pour la fédération de Savate. Then he worked for the French Federation. J'étais entraîneur national. National coach. Pendant 13 ans. For 13 years. Après, j'ai eu quelques soucis, des problèmes avec le président. You had some problems with the president of the federation. Relation d'homme, c'était une relation d'homme, c'est pas... Relationship. Avec l'homme, c'est pas... Difficult with just the person. Parce que l'homme était... Peut-être que je prenais trop de pouvoir ou... It feels like he was taking pour la savate, too j'étais much plus important power and probably felt that... He was becoming too more important than the president himself. Donc, j'ai été exclu pendant 8 ans. So for 8 years he was out of the federation. Je ne travaillais plus avec la fédération. Didn't work with the federation at all. Mais j'ai toujours enseigné la savate. Hein. J'ai toujours enseigné. But he was still coaching and teaching savate. Là, ça va faire un an. La fédération belge m'a demandé de prendre les équipes belges. En main, quoi. Moi, j'ai dit, bien sûr. A year ago, the Belgian Federation asked him to come and take and be in charge of all the Belgian competition teams. Ouais, toutes les... Donc moi, c'était un bon défi, c'était un bon challenge. So good challenge for him. Donc là, en ce moment, je suis en train de former une équipe belge qui va devenir de plus en plus forte, je pense. So right now he's working with a team that feels he's getting stronger and stronger.
apporter aussi mon savoir dans tous les pays où je vais faire comme je faisais avec les Français. Okay, you want to do the same thing that you did for the French Federation, but to all the countries. Parce que ça, c'est ça, je sais faire, c'est mon boulot. Je sais faire que je sais donner et apprendre à qui le veut, hein, bien sûr, à qui le veut. He knows that he gave to anyone who wants to. Il leur donne un peu l'esprit de ce qu'est la savate ou. Parce que la savate, on peut tout faire, on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut faire l'anglaise, comme j'ai fait, quoi. Give them the spirit of what savate is and where it can lead you, just like you did. Started with savate, but went to kickboxing, to boxing. Pour être fort, moi je dis pour être fort, il faut aller découvrir dans d'autres fédérations ou dans d'autres sports. To be strong, you have to go discover in other federations. Prendre ce qui est bon pour le greffer à sa boxe. Take what you feel works for you. Essayer de prendre justement ce qui peut nous apporter le plus. Le greffer à sa boxe. Si ça marche, si ça correspond à la machine, tu gardes. If it corresponds to you and your personality, si ça marche pas, hop, tu rejettes. If it doesn't work, then you leave it. Ça, il faut avoir aussi un mental aussi de pouvoir s'entraîner souvent. You need to have the opportunity to train. L'entraînement, c'est pas seulement que la boxe ou frapper. C'est but training is not only boxing and hitting. Il faut penser aussi à l'après. À l'après. And you have to think what's going to be coming after. Pour pas avoir des maux de main. You have to think long term. Donc il faut aller voir le docteur. Prendre soin de son corps, bien dormir, you have to take care of yourself, bien manger, ça c'est healthy, c'est sûr. And watch what your food is, what your rhythm, how much you sleep, making sure that you have a medical team behind you that you trust. Mais il y a aussi des sorties, comme on dit débordement, c'est-à-dire un jour, hop, on va faire une fête parce qu'on peut faire la fête, boire un peu, s'exprimer un petit peu parce que c'est pas. Il ne faut pas penser que toujours. Il faut des fois aussi décompresser. Every once in a while, you need to relax and affirm the fact that you need to go and enjoy yourself outside of the discipline that you impose yourself every day. Ok, mais c'est parce que c'est important ça. It's very important for your balance. Une vie de famille aussi ou une vie réglée. Une vie de famille, oui, mais au moins une vie réglée, quoi. The lifestyle, that's really. Moi, je sais que étant marié, la famille, ça m'a beaucoup apporté. Being married, his family was very important for him. Parce que moi, je suis assez renfermé. J'aime avoir mes enfants près de moi. C'est un truc qui. He needs to know his boundaries and have his kids around him. Ça, c'est important pour la vie. Donc voilà. Là, qui je suis. Okay, so this is Richard Silla. And you want to talk about tu veux parler de aujourd'hui et puis rencontrer les gens que tu as rencontrés. Donc aujourd'hui c'est une très bonne journée. Today was a very good day. Parce que j'ai rencontré il y a deux jours, j'ai rencontré mon ami Mike. Because he met his friend Mike that he fought in 1983. Ouais. J'ai rencontré Peter Cunningham. And he met with Pete Cunningham as well, that he fought in 86. Et Benny. And Benny. Benny qui est le professeur, et quelque part c'est un peu. On l'appelle une légende. Donc, c'était une personne qu'on essaie de voir, de connaître. Moi quand j'étais jeune, c'était un truc qui me fascinait. When he was young, he was fascinated by the legend of maintenant New de voir qu'on. Déjà que j'ai battu un gars de chez lui, son meilleur élève, et je trouve que c'est important, quoi. Et maintenant, ce qui est important, c'est ce qui se passe, par exemple, avec Michael. Parce qu'avec Mike, on s'est boxé. Après, il est venu chez moi, on est retourné boxer, il a boxé avec quelqu'un d'autre. On a correspondu longtemps ensemble. Là, on se revoit, je sais qu'on va correspondre ensemble. Et ça, c'est pour la vie, c'est hyper important. J'ai vu ce matin. J'ai dit, bah, vas-y, okay. Excuse-moi. So, two things.
having the honor to fight and beat the best of Benny's students. And now, today, spending time with Benny was very special to him. Having Mike, that you know, since '83, they developed a relationship that's been very important for him. They fought a couple of years later. He was staying at his house when Mike was fighting another French salad fighter, and they've been keeping in touch throughout the years. And it's something that is very important to him. Parce que ce qui est important, je pense que c'est avec ces moments-là que ça nous fait grandir. You grow through those moments. Parce que c'est pas, ouais, le frère. L'amitié, ça c'est sûr aussi, mais aussi ça te fait grandir. Quelque part, moi, ça m'a fait grandir. Parce que sans Mike, sans Peter, la boxe, ça a été Peter, rien. So those moments fighting Mike, fighting Pete, really were important moments in his life. And he's saying that maybe, you know, if he didn't fight those two guys, then, you know, his life would have been very different. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, mais c'est avec très peu de personnes. C'est pas beaucoup de personnes avec qui j'ai une correspondance avec Mike. Relationship je trouve que c'est bien. On a correspondu souvent ensemble. Wrote letters to each other. Là, il y a eu un petit clash, mais on ne s'est pas trop inscrit après. Là, je suis venu ici, j'ai demandé si on connaissait Mike, mais au début, j'ai dit, je vais appeler Mike et tout ça. Mike est venu me voir hier, ça c'est... Yeah, at the competition Saturday, he asked people about Mike, and someone happened to have his number and call him. Is that how it happened, Mike? Yeah, and so, you know, he just came to have the opportunity to say. Ça, c'est important. And that's very important point. J'appréhendais un peu plus la relation avec Peter. He was a little bit more not reticent, but didn't know really what to expect from meeting Pete. Pete, parce que moi je l'ai bien battu, je l'ai battu. Mais lui, pour lui, je m'habitue, mais ça m'a fait plaisir parce que je pense que lui le sait. He thinks he knows it. Lui le sait. Même s'il dit non. Even if he says that he didn't lose that comme fight. Comme disait Benny. Like Benny said. Dans sa tête, oui. In his head, you know. He said. You know what's right. Et moi, de ce que j'ai vu moi aujourd'hui de Peter, je sais qu'il a une vie. From what he saw, from being with Pete today. Il fait une vie qu'il a envie de vivre. Ça, c'est super bien. Je trouve ça, c'est bien. That he wants to live and aujourd'hui, il est là. Demain, il veut partir. Ça, c'est. Today is here. Tomorrow, if he wants to go somewhere else, he'll be somewhere else. Mais non, on dit pas mais. On dit pas mais. On dit et. But we don't say but. We say and. On dit et. Peut-être qu'il recherche ça. Qu'il recherche. And maybe that's what he's looking for. Yeah, parce que je vois qu'ils sont pas mal branchés, un peu philosophique. Yeah, very philosophical. Ouais. Non, mais je pense que c'est un truc qui doit aussi. Mais c'est ça qui peut le faire grandir aussi. And he feels like that it's something that people grow. Maintenant avec nos amis belges. Now with Belgium. Ce sera une équipe pour faire prendre le temps. Ça sera un peu plus difficile qu'avec les Français. A little bit more difficult than it's been with the French team. Avec le responsable, Alex Vanier. The person in charge, Alex Vanier. Il sait que le pic que je veux faire, c'est-à-dire faire des rencontres, des voyages avec les Russes. Leur donner, traveling with the Russian, leur prendre aussi, parce que c'est aussi pas seulement donner, il faut donner, mais il faut prendre aussi. You have to be able not only to give, but to take. Avec les Serbes et avec les autres pays. Serbia and other countries. Moi, je suis un revanchard. He has the spirit of revenge. Revanche, ouais. C'est d'arriver, c'est que quand le Français vient rencontrer un étranger. When the French come to fight. Foreigner, fighter.
I don't need to translate that. It's all right. Ça, ça veut dire dehors. Et on va venir step by step. And it's gonna come step by step. Step by step.